Est-ce qu'on fait comme Vince, on prend celle-là? Non, moi je prends celle-là. J'aurais dû prendre l'autre. Tant de synergie, les gars, c'est parfait. Alors, c'était énorme ce tour. Oh vas-y, la sniper 4 gars. Bon, donc mon plan de jeu ici, ça va être de récupérer un deuxième 4 gars et de rush les grosses créas parce que c'est rigolo. Vous allez voir. Donc là, je prends mon deuxième 4 gars. Et vous avez entendu Bob, il a dit ah, je vois ce que vous voulez faire. Bob a compris. Et il conteste pas, donc c'est plutôt bon signe. Donc là, on vend celui-là. Et on a peut-être taverne. Ensuite, on va vendre ça, ça et ça. Et on va invoquer les petits chats et les petits murlocs. Première fois que je bois un café décaféiné de ma vie. J'ai jamais compris le principe. Mais je pense que c'est bien, ça me donne l'illusion que je bois du café, alors qu'en fait, je vais quand même être fatigué. Il a compris que tu veux faire top 8 surtout. Non, non, non. Non, 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 on est là pour du fun, les gars. Si fort, si fort tous ces petits tonneaux. Allez, maintenant, vous savez ce qu'on veut. Ok, ça c'était pas dans le plan, mais... soit. C'était absolument pas prévu, mais allons-y.
Donc lui, il va arriver juste après quand on va invoquer les boas, il va être utile. Vous allez voir. C'est pour ça que j'ai pris ça. Plutôt que la créa qui m'assurait un petit peu late game. Parce que là, on va YOLO, vous allez voir. Tant de synergies là. Regardez-moi toutes ces synergies. J'aime bien battre les adversaires avec des stratégies originales. Parce qu'on lui met 18 quand même, c'est pas mal. Pour un mec qui a fait nimp. Ok, on va avoir droit à un deuxième essai, parce que là on a raté. Deuxième essai, là ça s'est mal mis. On va faire pareil mais on va up la taverne. On recommence. Deuxième chance. On a le petit chat qui nous attend. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir? Donne-moi des vraies cartes. C'est un scandale. On est en train de la gagner. Oh, je pleure, putain. Oh, c'est génial.
Je vois ce que vous voulez faire. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, Khadgar. Cette game mérite un top 1. Je sais pas comment, je sais pas comment on va y arriver. On mérite le top 1, les gars. Tu peux regarder combien t'as fait de triple. Attends, attends, la fin. On attend la fin de la fight. Oh, un Snitch qui revient. On est en train de révolutionner le gaming, les gars. Attends, on peut le tuer là. On était pas loin de le tuer. On a fait combien de triples? 7. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donner des taunts. Ça me paraît être un bon plan. Reroll. Raté. Une triple hydre, c'est pas super utile. Engager une recrue tant que... Je préfère avoir un peu de place sur le board. On a ça qui casse les boucliers divins. Bon, bah même pas. Oh non! Oh non, c'est la fin. Ouais, bah c'est le risque du coup. C'est que si ça te met dans le mauvais ordre, bah on perd la game. Dommage parce qu'on avait le loup et le baron encore. Ah, c'est dommage de finir comme ça. Est-ce que je peux survivre peut-être? Si j'arrive à les sniper, lui en sniper un. Ça a l'air mort. Hein. Faut taper là. Oh non, dommage. On est vivant! On est vivant, les gars! En fait, je sais pas ce que je cherche. C'est-à-dire, est-ce que je peux vraiment améliorer mon board? Enlève Baron, t'as pas la place avec Khadgar doré. Je m'en vais Khadgar aussi. On peut faire un truc comme ça. En mode comme ça, on se met vraiment safe.
On laisse plus de place sur le board. On vient vraiment d'invoquer 3 Zerus. Qui m'ont pris toute la place sur le board. Et derrière, ils snipent la bonne carte. Non, c'est dommage. Oh, zéro beau jeu, quoi. Eh bien écoutez, j'ai perdu mais avec honneur. C'est, je pense, la plus belle game que j'ai jamais eue sur ce jeu. Je me suis jamais autant marré sur une game, vraiment. Mais je pleurais de rire. Sneed, il est juste nul en fait, c'est juste on veut plein de bois la prochaine fois. C'était un top 4 qui méritait plus de points, je pense.